Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Parce que là, ça fait du rail, t'as jamais mangé. Bah non, mais une bonne crêpe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton frère en parlant de ça. Il te manque. Il commence à me manquer, c'est vrai. Ah, c'est vrai, je viens de l'avouer. Ça va? Tu te réveilles? Mais lève-toi. Parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Noter ce coq. Noter ce coq. Voilà. Ça, c'est pour bien se réveiller pour toute la journée. Ok, allez, go. Redis-le. Noter ce coq. Noter ce coq. Voilà. Te réveille. Et pour passer une bonne journée, bien être réveillé, il faut dire noter ce coq. Vas-y. Quoi? Faut dire noter ce coq. Noter ce coq. Plus fort. Noter ce coq. Voilà, c'est bien. C'est exactement ça. Voilà. Et là, on va passer une bonne journée. Voilà, tout le monde va passer une bonne journée. Même eux. Mais oui. Vu que ma mère, j'ai faim. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai réveillé tout le monde. Du coup, le programme du jour, c'est que en fait, il y avait un programme du jour. Mais malheureusement, Ena s'est fait lever la voiture ce matin. Du coup, on est parti à la fourrière. On a eu que des galères. Mais c'est pas grave. Hier, j'ai reçu un appel très important. Comme vous le savez, avant-hier, j'ai mis un sondage où j'allais. Peut-être en Espagne, peut-être en Italie, peut-être au Portugal ou peut-être au Maroc. Et quand j'ai reçu le téléphone, j'ai reçu le coup de fil, ça m'a orienté direct à où j'allais. Du coup, aujourd'hui, on part. C'est le départ, c'est aujourd'hui. Là, on est en train de faire les valises, on est en train de préparer tout et on s'en va. Du coup, rester à l'affût et voilà quoi. Je suis au bout de ma vie. T'as pris que des affaires de vie. Mais surtout que là où on va, il fait 40 degrés. C'est vrai qu'il fait très, 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 très chaud. Il fait vraiment chaud. Voilà. Tu vas souffrir, ma petite. Mais là, c'est ce que je prends pas. Là, il me reste tout ça à trier maintenant. C'est quoi tout ça? Le secours. Mais non, mais de toute façon, dans les temps, je crois que tu vas me faire un relooking. J'ai besoin d'être relooking. T'as que des habits vintage, les vieilles. Pas à la mode et tout. J'ai pris ce que j'avais à prendre. En tout cas, là, on est en train de se préparer. Et voilà, là, ça y est. Le départ, il est bientôt. C'est quoi ça? Je sais pas, oh là. Du poisson? Je croyais qu'il y a un cadavre, je crois. Et encore? Tu te fais chauffer, voilà. Tranquille, toi. Tu craques du Brésil, voilà. Bah ouais, mais moi, je vais avec des claquettes rouées. C'est le chien Anasdas, il nous a mordu, là. J'ai oublié mon téléphone. Ouais, ben je le sais que t'as oublié ton téléphone. Dans la voiture à côté de ta mère. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit speed, 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 speed. Je vais faire un malaise. Tu peux faire un malaise. Toi, là, tu restes à côté de moi, tu fais encore plus chaud. Mais rien de prendre mes expressions, toi. Grosse robe. Oh, oui. Quelle expression c'est que Anaïs. Tu as oublié ton téléphone. Ouais. Moi, j'ai mon téléphone. Regarde. Ouais. Tu as mon téléphone pour toi, connais-tu? Tu le rends pas. Je veux faire la rap de pointe de sel. Tu as oublié ton téléphone? Arrête, laisse-moi tranquille, toi. J'ai une nuit, tu as oublié. J'espère ta valise, elle va être perdue dans l'aéroport. Tu ne perds même pas d'affaires au Maroc. Tu sois toute nue. Dis ce que tu veux. T'as pas de téléphone. Toute nue. Porte pas de téléphone. J'espère que tu seras toute nue. Mais t'as pas de téléphone quand même. Voilà. Ta grosse lettre, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre.
m'en donnes un peu. Donne-lui un peu, qu'est-ce que t'as? Donne-lui. Un petit pot. Rai. Il n'y a plus rien. Il en manque encore. Il a... Elle va où, Anaïs? Te serrer fort, oh là, je t'en fais peur, moi. Ah ouais? Ah, j'ai mes bien l'essence, tu regardes les fils qu'il y a dedans. Aïe! Vas-y, s'il te plaît, mon avis. Ah, c'est il y a à manger, ouais. Il y a tout, gratuit et tout? Ouais. Quand c'est un petit sacrage, tu te comme ça, tu sais, j'aime pas, oh là. Avec ce son de partage occupant et rangé. J'aime pas simple, s'il te plaît. Je crois bien. Elle veut, ça va depuis le début, elle voulait. Plus d'amis à Perpignan, y a rien. Plus personne me dit bonjour. Maintenant, maintenant, il va serrer la main. Je vais me foutre en place. Personne me dit bonjour. Il n'y a pas d'amis, y a pas de sais pas quoi. Il était tous bon, mon râle. Ça, c'est, je vais devenir comme à l'époque, un petit fils de pute avec tout le monde. Et je vais rester dans mon quartier à moi. Voilà. J'ai besoin de personne pour moi. Voilà, là, Adem. Par Allah, j'ai besoin de rien. Je vais rester chez moi dans mon quartier, ça y est. Voilà. Dans la tête, faut des millions. Avec l'espèce, tout est. Je sais que vous êtes pas content, vous avez promis de vous ramener à la piscine. Mais je suis pas content, regarde le soleil. Le soleil. Mais les gars, il y a un petit problème, mais je vous. Mais c'est un problème. Écoutez-moi, je vous promets que toi et toi, demain vous venez avec nous à la piscine et je vous paye mais tout. C'est bon. Piscine. On verra, je vous laisse la surprise pour demain, c'est bon. Merci. On se voit demain. Demain, je vais les ramener à la piscine, les gars. Madou, je viens d'arriver au quartier, je te vois là posé. Tout seul, y'a personne au quartier. Frérot, je sais même s'il fait chaud, il fait froid, il neige. Ouais? Tout le temps ici, moi. T'es toujours au quartier? C'est ma maison. Tu veux pas sortir du quartier? Non, c'est ma maison. C'est ta maison, le quartier? Ouais, je viens rester ici. Ils veulent pas sortir, les gars. Impossible de le faire sortir. T'es parti où? À Kualand. Tu pars à Kualand et tu m'appelles pas? Ouais, Kinaï, ramène les petits. Tu peux pas m'appeler? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. T'es parti où? Là, tu sors de Kualand, t'as pris un coup de soleil, t'as profité. Mais ça fait longtemps qu'on profite pas entre frères. Ce soir, c'est le 14 juillet. Tu sais? Ce soir, on va aller ensemble et on va profiter ensemble. Et dis-toi que ta budget est limité. C'est moi? Mais c'est qui paye toi? C'est moi, t'inquiète pas. Juste habille-toi et rejoins-moi. C'est bon? Je vais profiter avec mon petit frère ce soir, les gars. Ça fait longtemps que je vais pas avec lui. Avant que la soirée commence avec mon petit frère, j'ai une question à vous poser, les gars. Comme vous savez, aujourd'hui, à l'Espagne, Angleterre. Là, je vais mettre un sondage et vous me dites qui va gagner, les gars, pour ce soir. Tu fais quoi? Je fais quoi? Peut-être toi, tu te fous de ma gueule. Pourquoi? Tu me dis, je t'ai appelé plusieurs fois, tu répondais pas. J'ai eu ton père au téléphone. Ouais. Il m'a dit que t'étais pas là. Comment j'étais pas là? J'étais à la maison. Tu m'as même pas appelé, j'ai pas reçu d'appel. Bon. T'es parti sans moi. Je sais pas, mon frère. Bref. J'ai pas parlé beaucoup, ton petit frère le pauvre. Ouais. Il est pas bien. Comment t'as il est pas bien? Prévu un truc avec lui. Ouais, j'ai prévu un truc avec lui. Va le voir le pauvre. Je vais le voir. Va le voir, mais moi je dis qu'il est pas bien. Vas-y, c'est bon, je vais le voir là tout de suite là. Putain, Asun, il m'a dit que t'es pas bien. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Ça veut dire on peut pas y aller. Même ce soir, on n'y va pas. Tu veux aller quand? Demain. Eh ben, tu sais quoi, demain fais-toi beau gosse. Je viens te récupérer, on va manger ta tête, c'est bon? Je suis à la maison, moi. Vas-y, va à la maison et on se voit demain. Je suis dégoûté, les gars. Je devais aller avec lui au resto, mais je peux pas y aller parce qu'il est malade. On ira demain, les gars, demain. Regardez, les gars, c'est 1h11 du matin. Il joue au foot. Là-bas, il y a du monde. Il y a toujours du monde dans ce quartier. Et ça peut être 6h, 7h du matin.
matin, il y a toujours du monde. Comment on dit la chaîne? La réussite, ça génère des inimitiés, Founi, ça crée des ennemis. J'aime bien la France, je sais pas pourquoi. T'aimes bien la France, hein? Non, là, j'aime bien la France, je sais pas pourquoi. Regarde la France. Je dis bien la France, je me régale. Là, on est parti regarder le feu d'artifice à Argelès. Je mangeais mes petits sushis, je ne sais pas manger avec des baguettes, mais j'aime bien faire la meuf, donc je vais faire genre. Un petit commentaire en backstage, non? Tu sais pas manger des sushis. Merci pour la confirmation. Très bon. Je vais goûter cela. Sinon, tu peux le piquer aussi. S'il y a des personnes asiatiques qui me regardent, ils vont me tuer. Oui. Coucou. Toi. Pourquoi restes-tu enfermé? Me dis sois forte. Le temps arrange nous pour oublier. Pour nous. Elle veut pas chanter alors que c'est la meilleure chanteuse que je connaisse. Je cours partout depuis ce matin, je me suis fait réveiller par phare. Ensuite, elle m'a dit vous préparez une valise pour fin d'après-midi. Sauf que moi, j'avais pas d'habits. Tout était au sale, j'avais 3 sacs de linge sale. J'ai pris mes sacs, je suis partie à la laverie, j'ai fait mes machines à laver. Je suis remontée chez Farah avec 4 étages à monter, avec 3 sacs dans les mains. Bref, là, je suis enfin arrivée. Sauf que maintenant, il faut que je vide mes 2 grosses valises de linge, que je plie tout bien et que je réfléchisse à ce que je prends ou ce que je prends pas. Sachant qu'on va dans un pays où elle m'a dit il faisait chaud, je vais être au bout de ma vie. Je suis une meuf, je ne supporte pas la chaleur. J'ai mis une gelada pour... Quoi? Bah non. Je cherche la voiture depuis tout à l'heure, je trouve pas la voiture. Et j'ai mis une gelada, au moins je vais être à l'aise pour l'aéroport. Oh, j'arrête pas depuis tout à l'heure, regardez la valise. Bref, j'ai jamais fait une valise autant dans le speed. J'ai pris tout ce que j'avais sous la main, je sais même pas à quoi ressemble la valise. Bref, let's go l'aéroport. J'ai failli rater l'embarquement, vous savez pourquoi? J'ai oublié mon téléphone dans la voiture de Hena. C'est Farah qui a dû rester posé devant pour le récupérer en urgence. Bref, on a fait l'aller-retour, ils nous mettaient la pression. Ouais, il reste que 3 minutes, tout ça. Je suis en sûre. Je disais à Anaïs, je vais faire un malaise. Je vais faire un malaise. Merci Farah, tu t'es portée garante pour récupérer mon téléphone devant les portes de l'embarquement. Non, vraiment, merci. Quand même, heureusement, j'ai appelé. Non, t'as le bras long, ça se voit, t'es quelqu'un. Cette meuf là m'a rendu folle. Toi t'aimes bien me rendre folle. Genre pour elle c'était un petit problème, il n'y avait même pas de problème. Juste regarde sa tête, je la déteste. Oh, je peux... Voilà les frères, je suis choqué. Voilà les gars, dites-vous ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Dites-vous, vous avez vu, les gars, hier soir j'étais posé ici. Vous avez capté, je regardais un film. Et en mode je me suis endormi ici, vous avez capté. Et les gars, juste ici, j'ai laissé 100 euros. Oula, j'ai laissé 100 euros, les gars. Je me suis réveillé, il y avait 50 euros. Il y avait qui dans l'appartement? Il y avait moi, 4B, Mansour et Bison. On n'était que 4, les gars. Oula, on n'était que 4. Il y a 54, j'ai pas vu, c'était à Mansour, les gars. Parce qu'il devait partir à Picsou pour réparer son téléphone. Il m'avait donné 100 euros. Du coup, là, il me reste 50 euros. Et oula, les gars, ils ont disparu. Et du coup, moi, vu qu'entre guillemets, c'est moi le responsable, les gars, j'ai donné 50 euros à Mansour. Parce que c'est lui qui m'a donné 100 euros, vous avez capté. Mais là, je suis vraiment en train de me poser une question, c'est qui? Vu qu'on n'est que 4. Ou à part si un fantôme, il a apparu, il a pris 50. Je sais pas. Voilà. Les gars, je suis pas con. Les caméras, ils sont désactivés. Et s'ils seront activés, j'aurais regardé directement, instant, et j'aurais vu la personne qui les a pris. Mais là, les gars, les caméras, ils sont désactivés. Je peux pas savoir c'est qui. Et je peux pas accuser n'importe qui comme ça sans preuve. Bon, regardez, je voulais vous montrer ma petite robe. Elle est pas trop belle, franchement. Bon, regardez, je voulais vous montrer ma petite robe. Bon, avec mes filles, elle s'est fait toute belle. On va voir le feu d'artifice. On va faire une petite soirée entre girls. Bon, avec mes filles. Thank you.
un bon Camille, qu'est-ce que ça ? Donne-lui. Croque un bon, croque. Croque de force. Montre comment tu croques. Camille, montre-lui comment tu croques. Est-ce que j'ai besoin de parler pour vous dire que je suis à la fourrière, que ma petite Titi, attendez, je vais vous la montrer. Elle est où cette voiture? Mon petit bébé. Les gars, vous savez quoi? Et puis, ouais. Crevette est de retour. To be patient and caring at every turn, the reason. La famille, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end et une très bonne après-midi. Là actuellement, il y a Espagne-Angleterre. Je me suis toujours dit, depuis le début de l'Euro, l'Espagne va aller très très loin. Ce soir, moi je dis victoire pour l'Espagne assurée. Là, il y a 0-0 à la mi-temps et j'espère que l'Espagne va gagner ce soir. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Asun, je viens de te croiser, je viens de voir ton snap là. Pourquoi t'as pas fait ça ce matin? Je viens de faire un putain de pari sportif, j'ai mis Angleterre gagnant, trou du cul. Pourquoi tu vas pas dire ça? J'ai toujours joué au foot. Mais je sais. T'as dit durant l'Euro. L'Espagne a fait aucune erreur. Je sais que t'es dégoûté. Arrête de faire ta crise là. L'Angleterre, ça pouvait passer, t'as vu? T'es arrivé, tu m'as dit, j'ai vu tout ce que t'as fait. Espagne, tu regagnes. Je vous jure qu'il m'a tué le snap. Il m'a vraiment tué mon snap là. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Là, ce qui s'est passé ce soir, c'est une tuerie. C'est vraiment une dinguerie. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Espagne allait remporter cet euro. 0-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, elle débute. J'étais en stress. J'étais pas bien. Limite, je transpirais. L'arbitre siffle la fin du match. Qui remporte l'euro? L'Espagne. Et honnêtement, bravo à vous, je vous félicite parce que tous les joueurs se sont donnés à fond. Et le pire dans tout ça, c'est que les deux équipes se sont donnés à fond. Eh, ça jouait à droite, ça jouait à gauche. Ça a été une finale extraordinaire. Et encore une fois de plus, je félicite l'Espagne. Bravo pour votre parcours. Vous l'avez mérité, cette finale de l'Euro. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai pas beaucoup snappé. Je me suis levé il y a pas longtemps là, je suis très très fatigué. Hier après-midi, j'ai passé une journée incroyable avec mon grand frère et ses enfants. Juste s'il vous plaît, restez connectés, c'est que le début. Je vous dis juste, c'est que le début. Je vous jure, je suis en train de serrer. Je serre vraiment là. Il fait chaud, il fait un temps bizarre. Aujourd'hui, je vais prendre le relais de mon frère. Je devais récupérer le camion. Le problème, c'est que il répond pas. Je suis devant chez lui, je sonne, je fais que sonner, il répond pas. Je l'appelle au téléphone, il me répond pas. J'ai besoin de vous, là. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Envoyez-lui des messages, il faut qu'il me réponde absolument très, très vite. C'est vraiment urgent, s'il vous plaît, la famille. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bob, bon appétit, l'Khdar. Bon appétit. Bob, bon appétit, l'Khdar. Bon appétit. Je me fais harceler par la communauté à Lolo là dans ma vidéo YouTube. Je vous la remets là. S'il vous plaît, mettez Team Creamer. Montrez-lui parce que je sais pas, il se prend pour qui. Non, tu dis. Bon, montrez-lui s'il vous plaît ici. Là. Je veux que Team Creamer dans les commentaires. Allez, bombardez.
C'est le bled en bas. Ouais, 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 ouais. C'est carré la ligue. Ah ouais, Islam. L'enfer, mec. Ah, c'est pas la volonté qui manque, ma petite gueule, c'est le temps. C'est pas l'argent qui manque, d'essence. Mauvaise entente, les armes à feu font trop de bruit. Vous voyez les jeux comme ça là? Je viens de sortir avec Lorena et. Vous avez vu, on fait des petites vidéos, des fois on envoie à nos groupes et tout. Bref, ça c'est que de l'arnaque, genre les trucs là. Où tu dois prendre la peluche et tout, on a mis au moins 20€ chacun, 40€, allez. Et là je vais lui demander, je vais lui dire comment ça se fait, parce que là j'ai réussi à prendre le truc, mais il le lâche. Je lui dis comment ça se fait et tout, mais elle m'agresse pas. Elle me dit ouais, vous faites des vidéos, vous dites que c'est de l'arnaque et tout, tout. Regardez ce petit garçon, il va vous témoigner que ça marche. Elle demande au petit garçon, le petit garçon dit non. Le petit garçon dit non, ça marche pas. J'ai vu personne, j'ai jamais vu quelqu'un gagner. Eh, hey, remettez-vous en question les gens, là au lieu d'agresser pour rien. Attends, parce que j'ai une collègue à moi qui vient de me dire qu'elle a mis 50€ et regardez ce qu'elle a gagné là-bas. mais oui, ça marche, mais oui. Je vais me poser là, je suis obligé de vous montrer un truc, ça va vous rappeler des souvenirs. Je parle pas. Soit tu l'as déjà mangé, moi j'ai jamais mangé, je le voyais que dans les pubs, parce que comme je vous disais, j'avais pas d'argent. J'en ai toujours pas. Hein. Je connais en manger des pierres. Ficello. Bismillah. Est-ce que tu crois que là il va te répondre? Il va te dire oui, je te fais un bisou. Ben oui, ils m'ont fait. Hein. Parle au chat normal. Toute sa vie, elle dialogue avec le chat plus qu'avec moi. Ça va, c'est bon. Quiz, ça veut dire SVT. Que veut dire SVT? Science de la vie et de la terre. Bon, bonne nuit. C'est moi ça. Oh là, y'a rien qui va avec le dégât. Oh ma gueule là. Wesh, ma gueule. Quoi? Bien ou quoi? Bien et toi? Tranquille? Alhamdulillah. Ça va bien? Ça dit quoi? Ah, ça dit on est là avec Nana, regarde, il a fait ses baskets. Ouais, il y a crevette. Ouais, il y a crevette. Comment ça va? Ça va, ça va, la chine, ça va? Oh, je te suis. Vous m'avez surpris là. On tue. Vous trouvez ça normal là, Néa là qui fait ça là? Non, on trouve pas ça normal. Ouais, allez, faites-lui Et pour crevette, allez. Les gars, vous savez quoi? Et puis, crevette est de retour. Ouais. Vous êtes en train de vous dire quoi? Non, mais sérieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Vas-y, dis-moi! C'est toi, crevette, non? Mais non! C'est moi, quoi? Oui, c'est toi, crevette. Mais bien sûr que c'est moi, crevette! Vous voulez que je sois qui? Eh oui, c'est crevette! Vous voulez votre photo? Oui! Allez, faisons une photo, allez, c'est parti! Slimane, pourquoi tu te caches là? Qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire caca! Mais non! Pas ici! Viens voir aux toilettes, vite! Vite! Comme vous le voyez, c'est mon frère qui a pris le volant du camion. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bientôt lui qui va prendre la relève de crevettes. Et je vous promets que ça va chier. Killer Hassoun. Chef, ça va chier. Non, j'ai rien entendu là. Ça va barder. Dis chef, oui chef. À vos ordres, chef. Chef, oui chef. Oui, lieutenant. Chef, oui. Regardez-moi comment il tient le volant. Comment il prend le virage avec amour. Clignotant. La posture. Je peux dire un truc, s'il te plaît? Non, voilà, dis rien, ferme ta gueule, mon frère. Tout ce que je peux te dire... Continue comme ça, tu iras loin. Regardez, on dirait qu'on est sur un tapis volant. Mon camion, je pourrais te le prêter les yeux fermés. Je suis vraiment impressionné. Tu m'impressionnes. Après cette dure journée, mouvementée, pleine de joie, de sourire et de bonne humeur, ben après l'effort, le réconfort. Après cette dure. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas avec d'autres actus également comme Angie qui est revenu sur Perpignan, qui a quitté Marrakech avec la brésilienne. Donc c'est Lorraine qui a été les chercher. Voilà. Après, c'était des stories un peu courtes, on va dire. J'ai
je me suis dit, bah, je ne les passe pas aujourd'hui. En plus, un peu crevé aujourd'hui. Donc, elles sont revenues. Elles sont revenues et gâtées toujours à Dubaï. Mais pareil, story vraiment courte. Voilà, vraiment courte. Et par contre, Farah et Camille, Anaïs, qui partent en voyage. Mais où? Où? On a un indice. On a un indice. Je ne l'ai pas mis en story. En tout cas, elle a dit 40 degrés. Donc, 40 degrés... C'est connu qu'à Marrakech, l'été, il peut faire 40 degrés. Voilà, 40 degrés. Tout est décalé du coup. Ça vit plutôt le soir parce que la journée, il fait trop chaud, 40 degrés à l'ombre. C'est infernal. Ça peut être l'Égypte aussi. Ça peut être l'Égypte aussi. On a un indice dans la story de Castellife. Ouais, c'était une story très courte aussi. Je me suis dit, je ne vais pas la passer. Il a dit à Camille, bah, dès que tu arrives là-bas, tu leur dis « Manbrikomch ». Manbrikomch. Ça se dit pareil en algérien ou en marocain. Manbrikomch. Zama, ça veut dire je vous aime bien. Ils sont en train de la tourner en bourrique, la pauvre Camille. Camille qui a repris, qui a pris du poids, qui prend de plus en plus de poids, je trouve. Je trouve que comparé aux premières fois où elle est apparue sur les stories de Nasdaq avec Samos, quand Samos il a fait croire que la villa lui appartenait et tout ça. Qui s'en rappelle les stories et son. Elles sont sur la chaîne. Elles sont sur la chaîne. Donc, moi, je pense que c'est Marrakech. Voilà. Il y a Ella qui est toujours à Marrakech. Et elle se plaint de Faucante qui, justement, renvoie vers des liens Telegram et des trucs, peut-être des arnaques, tout ça. Ça, c'est pas bien. À la limite, un compte fan ou quelqu'un, il se fait passer, mais il arnaque pas. Même se faire passer sans arnaquer, ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Quelqu'un qui a une entreprise, voilà, une entreprise audiovisuelle, une SAS, il porte plainte pour usurpation d'identité, ça peut barder. Ça peut barder, je le dis. Bah, c'est franchement, escroquer des followers, c'est eux qui donnent la force, les followers, et en plus, ils vont les raquer, les carotter. Ça craint, enfin, bref, ça craint. Le pire, c'est que même s'ils arnaquent pas, tu vois, on t'en lance que des fakes. Voilà, quand tu es abonné au vrai, ils apparaissent plus dans les tendances une fois que tu es abonné à eux sur Snap. Et c'est dommage, hein, maintenant l'espace tendance, Discovery, au lieu de découvrir des nouveaux influenceurs, ben tu découvres des nouveaux fakes qui apportent rien de plus que de la réutilisation simple de contenu qu'on a déjà dans les vrais comptes. Moi, j'ai tous les vrais comptes, moi, en tout cas. Allez, voilà. En tout cas, c'est dommage, les fakes, voilà. Et il y avait le match aussi, Espagne-Angleterre, qui est tombé le 14 juillet, la fête nationale. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Parce que je voulais voir le feu d'artifice. Ça me tenait à cœur de voir le feu d'artifice du 14 juillet à un endroit. Mais il y avait trop de monde à cet endroit-là. Trop de monde. Je me suis dit, j'y vais tôt, comme ça je mange sur place, je regarde le match dans un café, dans un bar, sur place. Le problème, il y avait trop de monde. Déjà, impossible, toutes les tables étaient réservées, les gens ils font la queue devant les restaurants, carrément. C'est la première fois que j'ai vu ça, je crois. Ouais, à la limite, qu'il y ait une ou deux personnes qui attendent devant un restaurant, mais là, c'était des queues devant chaque restaurant. J'ai halluciné pour ce feu d'artifice. J'étais dégoûté. Du coup, j'ai pris un truc à emporter au lieu de manger sur place. Même les pizzerias, tout, c'était hallucinant. Et du coup, il y avait le match Espagne-Angleterre. J'étais dégoûté. Même les cafés, il y avait pas dans cet endroit-là, il n'y avait pas de pub style où tu peux te mettre au comptoir, boire un verre au comptoir. Non, c'est assez... Ah, du coup, j'ai dû décaler ailleurs et en revenant, trop de monde, impossible de se garer, il faut se garer très très loin le temps que tu arrives. Ça y est, le feu d'artifice, il est fini déjà. Ah, je suis dégoûté. Bon, c'est exceptionnel, il y avait Espagne-Angleterre quand même, avec Lamine Yamal qui a mis une belle passe de but. Voilà, j'aurais dû rester dans la voiture, regarder le match ou sur le bord de mer. J'aurais dû regarder le match sur mon téléphone, mon smartphone. Après, j'aurais plus de batterie, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'an prochain, il n'y aura pas de finale de Coupe d'Europe. En tout cas, bravo à l'Espagne.
Match très compliqué pour l'Espagne et l'Angleterre. Voilà, Lamine Yamal qui vient de fêter ses 17 ans, incroyable. Voilà, avec une équipe d'Espagne, une charnière centrale qui est celle du Barcelona. Une équipe très jeune espagnole. Dernier match de Navas, malheureusement. Et très belle combativité des Anglais. Très beau jeu de tête. Là, j'ai vu quand ça fait du tennis tête devant les cages. Franchement, très beau match. Très belle combativité des Anglais. Qu'on avait enterré vivant, les Anglais, au match de Pulm. Parce qu'ils n'avaient pas fait des superbes prestations. Par contre, l'Espagne, ouais, c'était l'équipe la plus spectaculaire, l'équipe qui a mis le plus de buts. J'aurais même vu une finale Espagne-France ou Espagne-Allemagne. Voilà, en tout cas, très belle équipe, impressionnée, franchement, je pense qu'ils le méritent. Je pense que la France, bon, ils ont eu des préoccupations autres, je pense, pendant cet Euro. Mbappé qui change de club, la politique, les élections, les ceci, les cela, voilà. C'est dommage pour l'équipe de France également, mais bon, l'Espagne était vraiment, cette année, c'était incroyable. Les gens, ils klaxonnaient dans la rue, les gens avec les drapeaux, les écharpes, de partout. Ouais, quoi, dans le sud-ouest, ouais, forcément, il y a beaucoup d'Espagnols dans le sud-ouest, ça se voit pas. Mais ça se voit surtout quand il y a un match. Si, ça se voit sur les noms des boîtes aux lettres, déjà, ouais. Ça se voit sur les noms des boîtes aux lettres. Et ça se voit surtout aussi les soirs de match, quoi. Ça se voit moins dans la rue, mais... Voilà, je suis dégoûté. J'aurais dû m'organiser différemment, en fait. J'aurais dû m'organiser différemment. D'habitude, à cet endroit, il n'y a jamais la queue devant les restaurants. Voilà, s'il y en a qui est rempli, il y a toujours 2, 3, 4, 5 restaurants à côté, quoi. Il y a une bonne dizaine. De l'autre côté aussi, c'était bloqué, même le parking bloqué. Ils ont coupé la route de l'autre côté. Alors que j'aimerais bien aussi faire un jour un 14 juillet à Argelès, à Canet-Plage, au Barcarès, à Banilus. Mais le prochain 14 juillet, je le refais si tout va bien. Si tout va bien, je le refais ici, mais je m'organise mieux. Voilà, maintenant je sais que. Voilà. C'est compliqué les jours des événements, il y a plus de place. Toute l'année, tu as des places de partout, c'est ça qui est bien. Jamais d'embouteillage, mais quand il y a des événements... Ah, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire des pistes cyclables ici aussi, comme dans le sud-est. Là. Ah, je rigole. Je rigole. C'est agréable aussi qu'il y ait moins d'embouteillage dans ces régions-là. Voilà, c'est aussi quelque chose de... Il y a moins de monde aussi, moins de tourisme, c'est sûr. C'est sûr, voilà. Voilà. Et Nasdaq qui a arrêté depuis... Là, ça fait 20 jours maintenant qu'il a arrêté. Depuis le 25-26 juin. Ça fait 20 jours, on dirait ça fait 20 semaines. On dirait ça fait 20 mois. Donc, on le voit de temps en temps. Pas aujourd'hui, mais on le voit de temps en temps dans les stories de la team Nasdaq, voilà. Un coup, il joue au boule, un coup, il est au café, un coup, il est à la piscine, voilà. Mais il veut plus, voilà, il veut se reposer, ne plus s'impliquer dans les snaps, voilà. Il fait vraiment, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il ne va pas revenir, je ne sais pas, je ne sais point. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.